Salut à tous, ici Raphaël Gigante, coach thérapeute, pratiquant méditation pleine conscience. Donc là, je me trouve dans mon bureau d'accompagnement ou bureau de coaching. Et justement, je vais vous parler de l'importance de faire des pauses dans nos journées. Parce que si vous enchaînez les tâches, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire comme ça, sans vous arrêter, bah en fait, ça mène au stress, ça mène au surmenage, ça mène au burn-out. Donc si vous n'avez pas envie d'en arriver là, je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre de vous finalement de vous poser en très peu de temps. En fait, qu'est-ce que je fais entre deux coachings? Je vais vous montrer tout de suite. Ça va être plus parlant. Moi, par exemple, je regarde la nature. J'écoute les oiseaux et je respire. Trois choses. Mais évidemment, quand vous êtes à l'usine, bah, par exemple, vous ne pouvez pas regarder par la fenêtre. Alors à ce moment-là, il y a une autre astuce, c'est simplement prendre la photo de vos enfants ou des gens que vous aimez. Ou avoir un objet, par exemple un bracelet, qui vous rappelle, en tout cas moi le bracelet, ça me rappelle de vivre pleinement. Et il suffit que je regarde cet objet et je me replonge dans ce que je me suis promis et je respire. Et bien je peux vous dire que ça m'apaise directement. Essayez. C'est l'adopter, je vous promets. Donc voilà, tentez l'expérience avec la photo de vos enfants, avec une fleur que vous aimez chez vous. Vous la regardez, vous respirez, intensément présent, conscient, au travers de ce que vous faites, c'est-à-dire une pause. Et vous verrez que quand vous allez reprendre vos activités, ça va tout changer. Ça va tout changer. Et quand vous avez des moments de stress, des pics, un peu de tension, etc., n'hésitez pas à sortir justement de ces schémas-là avec le même principe. C'est garanti, ça fonctionne. Vous tournez la tête vers la nature, vous respirez, vous vous apaisez. 5 respirations, ça suffit. Essayez et dites-moi en commentaire si ça a fonctionné. Enfin, je suis sûr que ça a fonctionné. Mais... Bref, histoire de favoriser l'interaction. N'est-ce pas? Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.